Oui, mais... Oui, moi, il faut... Allô ? Ça va. Ça va. Ça va. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Nous allons bientôt assister au premier point de presse. Je constate que M. Félix Tshisekedi Tshilombo a été proclamé président de la République démocratique du Congo par la CENI, validé et investi par la Cour constitutionnelle. Ensemble pour le changement, constate comme en 2006 et en 2011, les élections de 2018 sont entachées de nombreuses irrégularités en violation de la Constitution et de la loi électorale, ce qui affecte la crédibilité et la légitimité des institutions qui en sont issues. Ensemble pour les changements, note qu'au surplus, l'exercice du pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi, doit se fonder sur la Constitution et non sur un accord politique sous sein privé secret qui n'engage pas la nation congolaise. Il est évident que cet accord ne peut valoir source de légitimité démocratique. Ensemble pour les changements, souligne la responsabilité personnelle de l'ancien président, M. Joseph Kabila, dans l'orchestration du chaos électoral infligé au pays et l'invite à s'abstenir d'interférer dans le fonctionnement régulier des institutions et à s'ériger en obstacle à la restauration des institutions démocratiques. Ensemble pour le changement, rappelle que le problème politique que connaît la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, notamment l'instabilité, les conflits armés, les guerres civiles et l'inefficacité de l'action des pouvoirs publics qui tiennent notre peuple dans la misère, tirent leur origine des crises de légitimité des institutions et de celles de leurs animateurs. Ensemble pour le changement, rappelle au président de la République, Félix Tshisekedi, sa responsabilité personnelle dans la situation actuelle et l'invite à prendre des initiatives fortes susceptibles de régler cette question d'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. En outre, Ensemble pour les changements invite en toute responsabilité le président de la République à être loyal envers le peuple congolais qui a clairement exprimé sa volonté de changement et à s'abstenir de toute initiative susceptible de cautionner des velléités de révision constitutionnelle pour la poursuite de la dictature dans notre pays.
première force politique de l'opposition ici des élections de 2018, avec ses 66 députés nationaux et 97 députés provinciaux, Ensemble pour le changement est résolu à poursuivre sa lutte pour l'établissement d'un État des droits démocratiques, le respect des libertés et de la dignité humaine, la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Ensemble pour le changement reste cependant de la grave crise politique que connaît notre pays. Compte tenu de la gravité de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, Ensemble pour le changement et dans l'intérêt supérieur de la nation, ainsi que pour éviter que le chaos ne perdure, soutiendra toute action et initiative allant dans le sens du bien-être de la population, de la consolidation de la paix, de l'instauration d'un régime véritablement démocratique, de la sécurisation du pays et de la réhabilitation des institutions républicaines. Aussi, attend-il du président Tshisekedi des signaux forts, notamment la libération des derniers prisonniers politiques, dont Frank Diongo, Firmin Ngambi et Diomine Dongala. Il devra également favoriser le retour des exilés politiques et forcer à l'exil, dont Moïse Katumbi Tshapwe, Jean-Pierre Bemba Gombo et Mboussa Nyamwisi. Concernant l'avenir de la Mouka, Ensemble pour les changements invite ses principaux leaders et leurs organisations respectives à procéder dans les meilleurs délais à une évaluation de l'action menée et à décider de sa nouvelle orientation. Ensemble pour les changements renouvelle sa confiance à son président Moïse Katumbi Tshapwe et exhorte le peuple congolais à ne pas céder au désespoir et au découragement. La lutte pour les changements est un processus et qui reste pour nous tous un devoir civique. Je vous remercie. Ensemble constate que Tshisekedi a été investi par la Cour constitutionnelle comme président de la République. C'est une réponse très claire. Est-ce qu'il accepte de collaborer avec le président Tshisekedi? La réponse va être aussi claire. Le président Tshisekedi fait son travail en tant que président de la République et en tant que pouvoir. Nous faisons notre travail en tant qu'opposition. Le président gère le pays, nous opposons. S'il mène des actions qui sont bonnes pour la République, pour le peuple congolais, nous allons saluer et nous allons soutenir, nous l'avons dit. Si par contre il mène des actions qui nous semblent difficiles à soutenir, nous allons dénoncer, c'est notre rôle de l'opposition.
dans ce cadre-là, la collaboration entre le pouvoir et l'opposition a des règles précises. Par Martin Bayoulou, qui maintenant est un mandat, qui crie la vérité des urnes. Vice-président G7, de manière claire, pour vous, le débat de la vérité des urnes appartient au passé, au présent ou au futur? Et la deuxième petite préoccupation. Vous avez dit que vous êtes la première force politique de l'opposition aujourd'hui. Est-ce une manière de dire déjà que si porte-parole de l'opposition devait y avoir, ce poste devait revenir au G7? Ensemble. Vous savez, nous avons choisi Martin Fayoulou comme candidat unique de l'opposition. C'était une demande de la population. Et pour cela, nous avons créé une structure, la campagne, pour l'accompagner, pour mener la campagne. Cette structure s'appelle la MUCA. Deuxième phase. Troisième phase, nous sommes allés en campagne. Et cette campagne n'a pas démérité puisqu'elle a débouché sur une victoire éclatante. Quatrième phase, vous savez ce qui s'est passé dans les carreaux et on a proclamé Félix Tshisekedi comme président de la République, légalement. Il est président en termes de la légalité, la légitimité, on peut dire autre chose. Il était normal et il est normal qu'à la suite de ça, il y ait eu une dynamique pour revendiquer la vérité des urnes. C'est ce que fait Martin. Mais maintenant, cette dynamique de la vérité des urnes a atteint ses limites. Nous pensons qu'il convient à la MUCA, aux principaux leaders de la MUCA et aux principales organisations, de pouvoir se réunir le plus rapidement pour évaluer la situation telle qu'elle s'est passée et pouvoir réorienter les actions et les stratégies. Quand, en ce qui nous concerne, il y a une situation qui ne va plus bouger, il faut voir les choses maintenant avec beaucoup de réalisme. Je pense que, à la vérité des urnes comme combat, va succéder le combat pour la restauration de l'état de droit et la consolidation de la démocratie. Ça veut dire, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi va faire pour que, en 2023, ce qui s'est passé en 2006, 2011 et 2018 ne puissent plus se reproduire? Ça, c'est le combat que nous devons mener, et au niveau de l'opposition, et si Félix a encore les réflexes que nous avions tous ensemble pour la démocratie, pour l'état des droits, eh bien, probablement, des convergences sont possibles. Mais pour le moment, nous pensons que à la lutte de la vérité des urnes doit maintenant succéder la lutte pour la restauration de l'état des droits. Porte-parole de l'opposition. Cette histoire-là, trop sentimentale, subjective, de positionnement, nous disons simplement, sur le plan politique et des droits arithmétiques, ben, nous sommes la première, nous les déclarons pour que les gens le sachent, que nous sommes la première force politique de l'opposition et donc nous assumons notre leadership en tant que tel. Merci Président. Si vous permettez, nous pouvons prendre les deux dernières questions. Oui, oui. Président de l'occupation, bienvenue président du comité des sages. Maintenant, nous allons nous situer face à Tshisekedi par rapport à sa gouvernance.
sa gouvernance politique, sa gouvernance économique, sa gouvernance sociale. Nous allons nous situer par rapport à ça. Si il fait bien, s'il mène des actions positives en fonction de la population, nous, nous allons applaudir. Mais si il n'y a rien, on ne voit rien qui vient, bien entendu, en tant qu'opposition, nous allons nous poser des questions, et ce n'est pas toujours des questions agréables quand on se pose des questions. Donc, là, il n'y a pas de contradiction avec Kyungu. Nous, nous assumons, en tant qu'opposition républicaine et démocratique. Donc, nous ne serons pas toujours là en disant « Non, il n'y a pas de légitimité, donc ces actions et tout ça. » S'il travaille bien, il aura probablement la légitimité des résultats. Mais nous sommes là pour, effectivement, aussi le rappeler à l'ordre, pour lui dire « Là, il y a un problème. » Donc voilà, c'est assez clair. Maintenant, Pierre Lumbila, la question c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Président du CNSA, Félix, le président de l'Assemblée, est-ce qu'ils sont toujours en contact? Donc pour le moment, on n'a pas l'occasion de se rencontrer. Mais si on se croise, ben on va se parler. On n'a pas de problème personnel. Il n'y a aucun problème personnel. Il se fait que moi, je me trouve dans l'opposition maintenant. Lui, il est dans la majorité. Mais c'est là, est-ce qu'il va nous empêcher de parler? Non, ça ne nous empêchera pas de parler si on se croise. Si nos chemins se croisent, nous nous parlerons. Et c'est clair. Merci, président. Nous allons en Le copier Lumbia a constaté que le président Félix Azali est élu.